Les hôpitaux ont des protocoles d'hygiène et d'asepsie stricts pour protéger patients de ces bactéries, qui affectent rarement les personnes en bonne santé, mais peuvent être mortelles pour patients vulnérables déjà hospitalisés. L'incidence des décès consécutifs à ces infections dans les hôpitaux est ainsi estimée à 3,8100 années patients. Malgré nombreuses recherches, protocoles, mesures désinfection et prévention, nouvelles souches bactériennes continuent d'émerger ENT.